Bonjour à tous, c'est CBMAT et un petit problème qu'on va résoudre maintenant en 2 minutes. Donc, le vieux monsieur, ici, est né au début du 19e siècle. Il nous dit que en l'an x carré, il avait x ans. C'est-à-dire que quand il avait x ans, on était à l'année x carré. Alors, au début du 19e siècle, donc début du 19e siècle, donc c'est 1800, on va dire jusqu'à 1850. Donc ça c'est le début du 19e siècle. On va tester les carrés successifs. Donc les carrés, donc par exemple, on va tester 40 au carré. 40 au carré c'est égal à 1600. 41 au carré c'est égal à 1681. 42 au carré c'est égal à 1764. 43 au carré est égal à 1849 et 44 au carré c'est égal à 1936. Alors pourquoi on va pas pouvoir prendre 1936, donc 44 au carré? Alors si on fait 1936 moins 44, on cherche en fait de son année de naissance. Donc là, s'il avait 44 ans en 1936 moins 44, on va trouver 1892. Or 1892 c'est après le début du 19e siècle. Là on dit qu'il est né au début du 19e siècle, donc c'est plutôt ici la fin du 19e siècle. Alors, donc on va devoir prendre 43 au carré, 43 au carré, et si on calcule son âge, son année de naissance, donc 1949 moins 43, c'était 1806. Donc le vieux monsieur est né en 1806. Et voilà pour cette résolution de problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.